Eh bien, nous avons de la visite. Alors là, c'est Mademoiselle Christelle, là. Monsieur Bondy, là, en noir, qui va rejoindre Gigi, la mère, qu'on entend miauler quelque part derrière les buis. Christelle. Et là, Monsieur Brocantel. Alors voilà, on reprend. Alors là, c'est la poubelle. Avec la maison dans les buis. Qui s'appelle Arcana. Au lieu dit Lacoum d'Azazel à Rennes-le-Château. Alors nous voyons au bout de la route les Labadous. Un gîte tenu par des Hollandais, monsieur et madame Rameyer, qui était il y a 24 ans la demeure d'Elisabeth Van Buren, une américaine. On va laisser passer la voiture. Voilà, la voiture est partie. Donc Elisabeth Van Buren qui a écrit des ouvrages sur Rennes-le-Château, notamment Le refuge de l'Apocalypse, Le secret des Illuminati, publié en anglais, Secret of the Illuminati, The Lord of the Flame, Le Seigneur de la Flamme, The Sign of the Dove, Le Signe de la Colombe. Bon, dans ses ouvrages, elle explique que Rennes-le-Château est destiné à être le refuge des initiés lors de l'avènement de l'Apocalypse, qui devait se produire en 1988, date de la fin du calendrier Maya déjà, il y a 24 ans. Alors Elisabeth a construit son centre Arcadia. Elle vivait avec un écrivain aux nombreux pseudonymes, Michel Gaillot, H. Ely, Urbain de la Roanne, qui a écrit des ouvrages sur Rennes-les-Bains et prétendait avoir décodé le livre de l'abbé Boudet. Ils ont donc créé ce centre Arcadia en 1988, au moment de la Grande Convergence, ce qui a été appelé la Grande Convergence, à savoir des aspects entre les planètes lourdes, Pluton, Saturne, Uranus et Pluton en Scorpion, phénomène astronomique, astrologique qui est répertorié dans l'astrologie comme étant connu sous le nom de d'oriphorie, c'est-à-dire des aspects tout à fait difficiles. Là, c'est la boîte aux lettres alors. Zoom. Alors là, nous avons un décalcomanie qui a été vendu à Rennes-le-Château pendant quelques années, il y a 30 ans. Le diable à l'échiquier, puisque depuis cette période, on a fait de Rennes-le-Château la demeure du diable. Décoration tantrique pour ceux qui sont intéressés par les mystères de la sexualité, mystère
cœur des conflits qui ont eu lieu dans les années 1888, à l'époque de l'abbé Béranger-Saunière, avec les conflits entre les différents groupes et sociétés ésotériques et rosicruciennes. Car c'est en 1888 qu'a été créé en Angleterre, à Londres, le premier temple de la Golden Dawn à l'extérieur, Golden Dawn in Outer, alors que parallèlement en France était créé l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix avec Papus, Stanislas de Gaeta et le Sar Peladan. Il y a eu échange de manuscrits qui sont venus au jour à cette période, notamment toute la magie dite énochéenne, la magie de John Dee, qui était astrologue et conseiller de la reine Élisabeth à l'époque, rituel repris par la Golden Dawn et avec la participation des ordres européens, ordre kabbalistique de la Rose-Croix et d'un groupe allemand, Licht, Liebe, Lieben. Lumière, amour et vie, qui serait à l'origine de la refondation de la Golden Dawn par l'intermédiaire de William Wynne Westcott, franc-maçon appartenant à la société rosicrucienne en Angleterre. Alors là, les affiches du Rainbow 1987-88, rassemblement pour le solstice, donc, pour la grande convergence, en parallèle avec l'ouverture du centre Arcadia d'Elisabeth Van Buren, qui revendique ses attaches et ses liens avec les Illuminati, puisque un de ses ancêtres était président de la République américaine et un autre, Manzani, était avec Garibaldi. Et ceci nous amène au problème de la maçonnerie et de ses racines. Avec la maçonnerie écossaise rectifiée et la magie de Cagliostro, magie égyptienne, introduite dans la franc-maçonnerie. Alors là, un peu de lecture pour les visiteurs concernant les enseignements tantriques et les secrets des magies sexuelles, comme je disais, au cœur des conflits entre les différents groupes ésotériques de tous bords. Là, c'est un petit cœur que j'ai reçu en cadeau. Une affiche en 3D du film Fantôme, Bhoot, un film indien. Le diable. Le diable, donc, qui est une photo de Danny Lefman,
tiré du film. Comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus, ça va me revenir en parlant. Forbidden Zone, zone interdite. Donc détention encore un niveau. Et là, notre chérie Barbie, un peu encombrée dans ses chaînes. La chouette, qui est l'oiseau de Minerve, et aussi l'animal du Bohemian Grove, ce cercle occulte, enfin plus trop puisque c'est connu maintenant, de nos personnalités maîtres du monde, qui ont donc pour signe la chouette, animal de Athénas Minerve, parce qu'elle voit la nuit, donc symbolise la double vision des choses cachées au commun des mortels. En tout et en morceaux, en lambeaux, parce que ça fait un moment que je n'ai rien mis, que je n'en occupe plus. Les choses sont cycliques, il y a des moments où certains certaines choses sont activées. Et puis, ça se calme. Donc l'affiche du rassemblement pour le solstice d'hiver 87-88, cette fameuse convergence, et naissance de Arcadia, domaine des Illuminati, au Labadou qu'on a vu un peu plus bas. Et les Illuminati, on a un lien avec le Bohemian Grove, bien sûr, tout ceci est lié. C'est pas pour rien qu'on est maître du monde. Ah, les choses s'effacent petit à petit pour certaines. Comme pas. Coquille Saint-Jacques. Un phénix. Ardette net consumitur. Je brûle mais ne me consume pas. Les paroles relatives à la vision du buisson ardent de Moïse sur le Sinaï, qui brûle sans se consumer. Petit cul pour c'est
Christophe Saunière. Tiens. Un joli nom. La buvette sera ouverte. Ça c'est cool. On va y voir un petit morceau. Alors là, je reviendrai parce que là on a le soleil en face. C'est notre petite fée gardienne. Donc elle est en relation avec. Notre little wing. Voilà, il y a le soleil, ça va pas. Instrument de musique népalais. Bon là c'est tout. Hein. Un peu solaire. Comme on dit. Bloody Line avec un poulpe, un émetteur radio. Et un mort-vivant. Qui émet sur la fréquence du président. C'est Canal Jimmy, Monsieur le Président, Canal Jimmy. Je crois qu'il ne t'attend pas, mon pauvre. Hein? Il est dans son état.
masque africain. Téléphone. Photo. Merci.